nos jeunes amis Tom et Huck sont repartis pour de grandes aventures. Dans le voisinage de la petite ville où ils vivent, au bord du Mississippi, il y a une grotte profonde et mystérieuse où ils savent que Joe l'Indien a caché son trésor avant de mourir. Pour pénétrer dans la grotte, ils ont utilisé la toute petite ouverture que Tom est seul à connaître. Ils peuvent ainsi, à leur retour, éblouir toute la population en montrant les sacoches pleines de pièces d'or qu'ils ont ramenées. Mais Huck s'ennuie chez la riche veuve Douglas, qui s'attendrit sur le sort de cet enfant abandonné et l'oblige à vivre maintenant chez elle comme un gentleman fortuné. Il regrette son ancienne existence de vagabond. Mais il apprend que son père est revenu dans le pays. C'est sans doute la nouvelle que son fils a trouvé un trésor qui fait revenir ce vieil ivrogne. Et par prudence, Huck va chez le juge, M. Thatcher, et met sa fortune en sûreté chez lui. Les vacances avaient commencé. Ceux qui allaient passer l'été ailleurs s'embarquaient sur le Paul Jones, et Tante Polly, en plus de Tom et de son frère Sid, avait sous sa garde Becky Thatcher. 63 et 64 pour Kikouk, s'il vous plaît. Cabine 63 et 4, bien, madame. Tom, allons, vite. Me voilà, j'arrive. Cette fois-ci, tu ne te sauveras pas, Eki. Tu resteras chez la veuve. Et à mon retour, tu verras, on va organiser une bande. Plus terrible encore que celle à Slade. Ça sera la bande à Tom Sawyer. Pour y être admis, il faudra jouer le secret et signer avec du sang. Tu vois, Eki, sans la veuve, t'aurais même pas appris à signer ton nom et t'aurais pas pu entrer dans ma bande. Alors, d'accord? À la vie, à la mort? Dis donc, Tom, elle va faire quoi, ta bande? En voilà une question. Une bande, c'est une bande. Ça met des masques noirs, ça se cache, ça pille les pouvoirs de main de fer. Oh, me voilà! C'est vieux rafio, ça fait du boucan. C'est à croire que ça va traverser l'Atlantique. Allez, salut, Hucky. Salut, Tom. Demi-heure plus tard, le vide et la solitude reprenaient possession de ce coin du monde sur la rive ouest du Mississippi. Son ami Tom étant parti pour la durée des vacances, Huck n'avait plus personne à Salut, qui Huck. Se confier.